Ah, ça a fait incroyable. Écoute, on l'a fait, on a travaillé fort, on est resté une équipe unie tout au long de ça. Ça a été un match 6 assez éprouvant d'émotion avec beaucoup de hauts et de bas. Fait que non, on est vraiment contents. Puis c'est une méchante belle gang de gars qu'on a là. Tu as marqué un gros but pour revenir dans ce match-là. Quoi le feeling quand tu as fait la rondelle rentrée? Ben écoute, probablement, j'ai pas vu, c'est incroyable. Ben, écoute, j'ai su, j'étais rendu, j'étais dans le coin. C'est tout simplement incroyable ce qui nous arrive là. Ah, extraordinaire, vraiment. N'importe quel joueur pourrait gagner ce trophée-là. Chaque match, c'était un travail d'équipe. C'était en équipe qu'on a gagné. Puis ça montre à soir, on a démarqué notre résilience, notre caractère, puis on est revenu par derrière tout le match. Qu'est-ce qui a fait que tu as été si bon en séries éliminatoires? Tu as eu une bonne saison, mais là, tu as été le meilleur joueur des séries éliminatoires. Ben, c'est beaucoup des gars ici, c'est notre dernière saison. Donc c'est sûr, c'est une motivation pour nous, puis pour Pat, puis pour tout le monde dans l'organisation, puis tous les fans, tous les spectateurs de Québec. Tout le monde méritait ça, là. J'ai eu des coéquipiers incroyables pendant les deux médailles d'or, coéquipiers incroyables avec les Remparts de Québec. C'est excitant, surtout de gagner une deuxième fois ici à Halifax, c'est incroyable, je suis vraiment content. Incroyable, écoute, c'est un dream come true, je suis vraiment content d'avoir pu vivre ça avec ces gars-là, c'est juste incroyable. Tu as connu d'excellentes séries, tu as été un des joueurs dominants de cette série-là, qu'est-ce qui explique que tout a cliqué au bon moment pour toi? J'ai été amené ici pour une raison, je voulais amener mon jeu d'un cran, puis... je pense qu'ils ont une confiance en moi, puis je voulais leur prouver qu'ils ont fait le bon choix. C'est incroyable, le feeling de tout avec les gars, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, avec des petits ajouts, mais le noyau est là, puis c'est assez spécial de vivre ça tout ensemble. Comme gardien, vous perdez, vous faites marquer les deux premiers buts, tu te dis quoi là, à 0-2? Ouais, c'est sûr, c'est facile d'être down, puis tout, mais moi je croyais aux gars, le caractère qu'on a dans ce vestiaire-là, il est juste incroyable, on l'a prouvé en fin de game, fait que moi j'y croyais. C'est incroyable. Des up and down toutes les games, revirement de situation, émotion, puis on arrive à mettre la main sur le trophée à la fin, c'est incroyable. Quand vous avez vu que vous perdiez 2-0 au début de la game, c'est quoi le feeling? C'était quoi le sentiment là, au début, à ce moment-là? Ben, on savait qu'on ne jouait pas notre meilleur hockey, puis c'est sûr que, tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on aurait aimé ça déjà gagner à domicile. On n'a pas réussi à le faire, puis on voulait absolument gagner ce soir ici, puis. Tellement de caractère dans le vestiaire, d'expérience, les gars n'ont jamais lâché. On s'est encouragé dans le vestiaire puis on a réussi à aller la chercher. Comment tu travailles James Malatesta, MVP des séries? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été si bon aussi? Ah écoute, il mérite. Il y en a plein qui l'auraient mérité. Rousseau, Robida, n'importe qui. On a tous travaillé fort, puis lui spécialement, puis il mérite vraiment. Fait que vraiment content pour lui. On sent bien. C'est un grand sentiment de fierté qui nous habite, mais pour moi, c'est la résilience de notre groupe qui m'a tellement impressionné du début à la fin. Je suis tellement fier de voir nos joueurs récolter ce qu'ils ont récolté ce soir, gagner le championnat de Trophée Gilles Courteau. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 1976 à Québec. C'est quelque chose qu'on rêvait un jour de voir arriver, mais c'est arrivé aussi avec un groupe extrêmement spécial, un groupe qui a été résilient de la première journée jusqu'à aujourd'hui. Chapeau à nos joueurs. Dans le monde du hockey importante, quand tu l'as soulevé, tu te sens comment? Ben écoute, c'est sûr que c'est très spécial parce que ça fait 15 ans que je suis dans la Ligue, 13 ans comme coach. C'est un trophée qui est très difficile à gagner, des bonnes organisations. Fait que de voir ça arriver, je peux te dire qu'on est tous très fiers.